J'entends que les pompiers. Yo les gens, boum. Vous savez quoi les gens, aujourd'hui c'est la forme. Vous savez que c'est grâce à qui que c'est la forme. KWA il m'a donné la force. Aujourd'hui les gars, on va parler de l'album, de la mixtape Double Fucker. Donc là je suis en train de faire le fucker avec les deux doigts. Tu vois comme il fait là, clac clac clac, avec les deux doigts on croit. Tu vois, clac clac, et il bouge comme ça les pouces, comme s'il rechargeait son gun, mais en même temps il te les a foutus les deux, tu vois, dans chaque extrémité. Donc là aujourd'hui on va parler du Kaaris KWA mixtape. Moi franchement je l'ai écouté, déjà je vais vous prévenir, j'écoute pas souvent du rap. Enfin si j'écoute, mais j'écoute pas beaucoup d'artistes. J'écoute les plus gros, pas forcément les plus connus, mais en tous les cas, j'écoute un peu de tout, mais il y en a beaucoup que je survole. Mais lui, quand quelque chose sort, je ne survole pas ce qu'il fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va pas être une vidéo pour... ça va être sincère. Ce que je vais dire, c'est pas pour le pomper ou quoi que ce soit. Hein. Moi, j'ai rien à gagner dedans et... Lui non plus, je pense, puisqu'il a déjà assez de beurre dans les épinards, si tu vois ce que je veux dire. On lui a donné la force une fois, et ça suffit largement pour qu'il cartonne, tu vois. Donc attends, il y a des petits bâtards. Je vais essayer de faire une mission avec... j'ai un sniper là que j'ai récupéré, il est tellement surpuissant qu'il baisse des tanks, des hélicos, tout. En 4 balles, il nique tout. Ah, attends. Bah arrête, il n'y a rien d'intéressant maintenant, mon gars. L'unité de charme. Pff, oh non, j'aime pas ces missions. J'aime pas ces missions, mais y'a que ça. Fait chier. Regardez l'arme de fou, quoi. C'est vraiment une arme de malade. C'est un sniper qui dégomme tout, mon gars. Alors là, je vais l'utiliser. Vous allez comprendre ce que c'est, la brutalité, quoi. Pur et dur. Ah non, mais il m'a fait plaisir. Alors, pour l'instant, les sons que j'ai bien kiffé, que j'ai surseigné, c'est Cheps. T-I-E-K-S, Tiex, et Tulsa Doom. À la vôtre, les gars. Et bon, pour l'instant, les autres sons, je les ai écoutés en mode normal. L'album, première fois, mode entier, en mode normal. Deuxième fois, pour la réécoute, pour essayer d'être un peu plus dans le... Tu vois, de s'imprégner un peu plus du bail. Et après, la troisième, je décortique sur les sons que je préfère. Généralement, je fais comme ça au bout de la troisième écoute, je mets mes sons favoris en boucle, tu vois. Et une fois que je commence à en avoir marre, je repars sur les autres. Donc, attendez, là, je vais aller voir les sons exacts qui m'ont plu. Donc, attendez, je vais voir ça de suite. Hop, donc on a... C'est la loi. S-I-N-A-L-O-A. Ouais, ça, j'arrive jamais à le dire. C'est la loi négue, quoi. Le premier, c'est la loi. Le deuxième, on a terrain. On a démarrage, hold. Petit vélo, bon, petit vélo, j'ai pas trop kiffé son délire, mais bon, il y a toujours des sons dans un album que tu kiffes pas trop. Briller. Après, on a la base, en 6, Tulsa Doom. Bon, bah, ça, tout le monde le connaît, puisqu'il a fait le freestyle sur Sky, et que, déjà, avant même qu'il sorte l'album, il était sorti il y a plus de 6 mois quand il a fait un freestyle sur Sky. Tiex, c'est un de mes préférés, ça, c'est sûr. En 9, on a H. Audemars m'a tué, ouais, ça, j'accroche pas mal aussi, j'ai bien aimé. Bakil Gringo, où sont les euros? PSO Tug Infini recharge des cas double fuck. Ok. Oh mon. Ah bah ça tombe bien. Toi. Regarde, boum. Regarde ça mon gars, regarde ça, regarde. Regarde. Regarde ça mon gars. Il va crever juste avec mon sniper, regarde. Juste avec mon sniper. J'aurais pas besoin de lance-patate. Là déjà il est en train de fumer. Voilà. Merde. Il va crever avant moi, il va crever avant moi. Ouais, il va crever avant moi lui, c'est sûr. Oh, il est blindé lui, hein.
Donc l'album, alors attendez, je me débarrasse de ce bâtard là parce qu'il va être un peu chiant. Je pensais un peu plus chaud, mon sniper, pour l'éliminer. Oh. Ah bah enfin, putain, il lui aura fallu au moins une dizaine de balles, oh. Merde. Donc Tal Shaddoum lourd, Tiex lourd. C'est la loi Nego. Pas mal du tout. Pas mal de sons. Cet album, franchement, il te met bien dans l'ambiance. Pour être honnête, Or Noir, j'avais kiffé la première partie. Or Noir 2, ça va. Après, c'était quoi? C'est déjà son troisième album. Mixtape, non? Je sais plus si c'était une mixtape. Non, 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 je crois pas, hein. Là, c'est son le troisième, c'est une mixtape, donc c'est le troisième album. Franchement, pour l'instant, j'accroche bien au gars. Il a des bons délires. J'aime bien son flow. Il y en a des fois qu'il est un peu en mode lent et un peu en mode rapide. What the fuck? C'est un sniper qui m'a shooté? Waouh. Donc je trouve que il mérite son, comment dire, son succès. Voilà, il passe sur Sky, il a fait son planète rap et tout. Le mec, il est là, tu vois, il est actif, il est nerveux, il sait que, comme il dit, il a percé assez tard. Bon, moi je trouve pas, hein. Je trouve qu'à 30 piges, non, là, il a 35 piges. Mais je trouve que ouais, c'est vrai par rapport aux jeunes, c'est vrai que par rapport aux, comment on appelle, à la nouvelle génération, ça fait tard. Mais pour moi, il y a rien de même 35 piges, je pense qu'il peut rester encore. Pourquoi pas même après 40 piges, hein. C'est pour moi, c'est pas l'âge qui fait la personne. Si t'as encore des choses intéressantes à faire, donc tu les fais, tu vois. Faut pas non plus se précipiter et se dire tiens, faut que je fasse ça avant ça. Non, c'est ça arrive quand ça arrive, tu vois. C'est comme Booba, il y en a beaucoup qui disent bon, ouais, là il est sur sa fin, la relève et tout, c'est la relève. Ça veut rien dire, les gars. Il peut toujours revenir fort, tu vois. Il peut revenir sur un truc personne est au courant. Et puis là, il va tout niquer, tu vois. Ça veut rien dire. Tu vois, je vais dire ou pas? Donc là, on est en train de péter une unité blindée. On va finir cette mission et ça sera bon pour nous, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'en suis convaincu de son album. Enfin, j'en suis plutôt content parce que ouais, c'est une bonne surprise. Franchement, je m'attendais pas vraiment à l'album. Hein. C'était pas pour moi. C'était pas ce que j'attendais. Mais au final, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien, j'ai bien accroché à son délire. J'ai vraiment bien accroché à son délire, tu vois. Donc j'en suis content. Je vais encore le réécouter là, dès que la vidéo se finit, dès que j'ai fini mon, je vais m'entraîner un peu sur Metal Gear Solid, boum. Une fois que j'aurai fini toutes les missions secondaires, bon, je pense que j'en ai encore pour, je sais pas, on va dire, encore une vingtaine de vidéos, peut-être même une trentaine. C'est qui lui? De l'autre côté? T'as de la chance que t'avais un casque, bâtard. Je vais aller l'achever l'autre. Après j'irai au tank. Je crois que je vais peut-être même y aller maintenant parce qu'en fait les tanks on dirait pas mais...
Une fois qu'il t'a repéré, il est super dangereux, tu vois. Un obus dans ta poire et c'est fini, quoi, tu vois. Comment ça se fait, il est rose comme ça, le bâtard? Tu m'expliques, voilà, saute. Voilà, tu vois, c'est une menace, débarrassée, voilà. Allez, crevez les gars, putain. Tant qu'ils crèvent pas, ça me finit pas ma mission, quoi. C'est une bonne surprise, j'en suis content, je vais le réécouter, je vais finir ça, voilà, je pense que je vais encore le saigner pendant pas mal de temps. Ah bah ça va, celle-là, elle était... C'était pas délicate, elle était pas difficile. Nous reste combien? On est à combien de minutes, les gars? 10 minutes déjà! Ouais, je pense que ce sera bon, les gars. Je pense que ce sera bon parce que, après le temps que je vais là-bas, que je fais le truc et tout, tu sais, le time il passe vite, tu vois. Donc, les gars, amateurs de rap ou non, écoutez l'album. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis honnêtement, il est lourd. Il a des bons flows. Et voilà, vous allez bien kiffer. Il y a des sons qui sont bien ambiancés, tu vois. Sur ce, les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos sur Phantom Pain. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes s'il faut. Et puis voilà, on verra pour la prochaine vidéo. Et du GTA qui arrivera dès qu'on finit mission secondaire. Ciao, les gars.